Passe-toi là. Ici. Hello, guys! Aujourd'hui, je m'en vais à la ronde! Pas avec Freak Punk. Aujourd'hui, je vais à la ronde avec ma belle amie Chloé. Je suis tellement contente, j'ai tellement hâte. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à la ronde. Je me souviens même plus la dernière fois que je suis allée. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore faire des manèges à grosses sensations fortes pis tout ça. Fait que je suis vraiment contente. Là, je viens de tout me mettre mignonne. J'ai vu mon nouveau set Girl Crush. Oh, attendez. On va pas très bien non plus. Je me suis maquillée. Fait que, ouais, je suis contente. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous aller pendant ma petite journée à la ronde. Oh, il est bien cute, Frank. Mon dieu, c'est pas vrai. En manque d'affection, mon bébé. Donc, je vous reparle dans la voiture. En route pour la ronde. Ouh, oh, excuse-moi, Frank. On s'en va à la ronde. Salut. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va à la ronde, guys. Avec Clo-Clo. Là, on s'en va chercher quelque chose à manger. Fait que Chloé va prendre quelque chose à manger. Mais moi, je vais prendre un café. Café frappé. Ouais, café. Ils font ça au McDo? Café. Ouais, c'est juste l'été qu'ils font ça. C'est vraiment bon. C'est nice. En fait, c'est comme un cappuccino glacé au thym, mais c'est meilleur, je trouve. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bon, ben là, gang, faut qu'on vous explique de quoi qui est arrivé. On est arrivé. Première mésaventure de la journée. C'est compliqué au McDo, c'est compliqué. Là, on est arrivé au McDo, puis la madame, tu sais, elle nous dit la commande, tu sais, pour savoir si c'est la bonne affaire. Tu sais, on a tout le temps le réflexe de dire ouais, c'est ça. Mais regarde, là, c'est là qu'on vous apprend qu'il faut pas faire ça. Il faut vraiment écouter. Parce que moi, j'ai juste dit ouais, c'est bon. Mais après ça, mon subconscient était genre, ah, il me semble que j'ai compris, genre un thé glacé, puis elle me dit que la commande, ça a coûté 30$, puis genre, on a juste pris 10 croquettes avec deux cafés frappés, là. Fait que là, on arrive à la porte où elle nous donne la commande, elle me donne un thé glacé, puis un autre breuvage. Un café glacé, je pense. Ouais, un café glacé. J'étais comme. Non, c'est pas ça. Elle est là, c'est la panique, là. Les quatre filles derrière le comptoir. Ils regardent leur tableau, ils sont comme. Parce que là, eux, ils ont fait ça. Fait que là, ben, ils ont remboursé comme la balance, dans le fond. Ça avait l'air compliqué derrière le comptoir. Ils sont comme. Fait comment qu'on gère ça, là? Taste test? Shit, c'est fucking taste. Je trouve qu'il est meilleur qu'il était pas chaud glacé. Il est plus crémeux. C'était vraiment nice. Merci de cette recommandation. Ça me fait plaisir. Bon, ben, bon appétit. Ah! Hey, on entend crier jusqu'ici. C'est tellement vrai. Mon dieu, je me sens petit. Faut que je reste le bras. J'ai mal au bras à bloguer de même. De même. Par en bas. You're the one that tries. C'était quoi? Chloé a dit, oh, on va le faire, il y a de l'air smooth. C'est ça ici. C'est ça ici, là. C'est comme pas de temps smooth. Je pensais que c'était lui en dedans. On l'a fait, gang! C'était malade! Pour s'aider avec la voix recalcule. Hey, c'est quelque chose. Quand c'est sur le bord de tomber, là, hey, on criait des choses. On était déjà en train de crier, on était là. C'est malade, on a déjà plus de voix. J'ai hâte de voir à la fin de la journée notre voix comment il avait rendu. Tu vas voir au fur du vidéo notre voix venir. Ouais, c'est ça. Une boîte fumeuse à chaque fois. Oh, ça fait tellement du bien, on se sent vivante. C'est ça que je disais tantôt. Oui. Ça nous fait sentir alive. I'm alive. Oh my god. Moi, il dit, il touche même pas là. On a attendu genre presque une heure, puis là, ben, c'est le temps de le faire. A few moments later. On est pleine de regrets. Fait qu'on est allé faire le dragon. C'était vraiment pas. très le fun. Il y avait rien d'incroyable là-dedans. C'était un temps d'attente un peu gaspillé. On va faire le coup de la première fois qu'avec Chloé, on va le faire. Souhaitez-nous bonne chance. On va prendre la vidéo là. Vous allez pas voir nos belles faces. Si on meurt pas. Ouais, si on meurt. C'était insane! Il y a des masques qui sont partis au vent pendant la descente! On voit juste 5 masques! Tous les masques! C'était insane! Oh non! Là, on va aller voir la vidéo, nos photos de nos belles faces! Chloé était genre, oh my god, je vais mourir! Je vais mourir! Quand on descend, là, la première fois, là, genre, tu l'aides dans ton vent, là! Oh my god! C'était vraiment. J'ai des sensations fortes! Ah, oh, c'était des belles sensations fortes! Je vis pour ces sensations fortes, là! À date, c'est mon préféré!
moment donné, on est comme vraiment à l'envers, tu sais. Puis, hey, on dirait que tu perds la notion de genre, t'es où? Pas mon highlight, c'est un monsieur qui dit. Mais on est juste rendu à moitié. Je pensais qu'on était en haut. Mais nous, aucun possible, on était genre, oh my god! De faire des manèges en temps de COVID, passer proche de perdre son masque à maintes reprises. On vient de faire le vampire! Puis oui, elle l'a vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, vraiment intense. Et t'as vu les bonnes dunes ici? Oh, on peut pas te voir à cause du poteau. C'est Chloé qui mange sa poutine avec le ketchup. Là, vous allez me dire, on va partir un débat. Est-ce que vous êtes pour le ketchup dans la poutine ou pas de ketchup dans la poutine? Pas besoin de dire que je suis pour le ketchup dans la poutine. Là, faut que tu changes de face. Je veux que je change, OK? Change de face. Change de face. 2 hours later. OK, là, on est vraiment off, là, parce que on est arrivé pour aller faire un manège après avoir attendu plus longtemps en mangeant. On a pris pas de temps. Puis crime. Tout est fermé, tout est fermé, j'ai aucune file, tout est fermé, on est genre, il est 7h15. Je lui ai demandé à la fille, elle a dit, oh, c'est un gars. Puis le gars, il a dit, ouais, c'est parce que ça fait 15 minutes que la ronde est fermée. Fait que la ronde ferme à 7h. Fait que là, on est off parce qu'on aurait pu faire plein d'autres manèges, mais on peut pas. On a pris notre temps pour manger pendant que ça fermait, genre, 15 heures. Puis on va devoir revenir. Ben oui, on n'a pas fait le tour. Hein? Là, je vais vraiment prendre une petite castor. Chloé veut se prendre un bretzel. Ouais. Mais est-ce qu'on se sépare? Parce que sinon, on n'aura pas le temps les deux. Yeah, on va se prendre une petite castor au moins à la journée. J'ai pris une petite castor classique. J'aurais voulu en prendre une autre, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Je suis rejoint Chloé, elle s'est pris un bretzel. Retrouvez-vous là? Je pense qu'elle est là. Chloé, elle est grande, donc elle est facile à repérer de loin. C'est qui est pratique avec une amie grande. Regardez, on peut la voir. Ah. Au revoir, la ronde. Bye bye. Bon, ben écoutez, c'était vraiment une belle journée. On a eu beaucoup de plaisir. Ça hein? Finit sec un peu. Ça mais on a eu du plaisir. Ça finit plus tôt qu'on l'aurait pensé. Le reste, c'était amusant, fait qu'on charle pas. C'est quoi tes préférés de la journée? Le vampire, le titan, puis le Goliath pour ma face. Moi, je te dis. Juste pour ma face. Ah oui, vous l'avez vu, mais la face à Chloé, on va remettre la face à Chloé direct là présentement. Vous voyez comment c'était beau. Tu sais, la face d'une fille qui est en train de mourir sur place, c'est ça. On dirait presque que ça allait pleurer, genre. C'est comme si j'avais un arrêt cardiaque, genre, c'était l'enfer. Mon préféré, c'est vraiment le Goliath. Après, ça serait le titan. Puis après, ça serait le vampire. Puis après, ça serait le. Non. Ednor. Ouais. Puis après, ça serait le. Ouais, c'est le meilleur que je regrette d'avoir fait, c'est le dragon. Le dragon. Pas, guys. À moins que vous ayez comme 10 ans. À moins que vous ayez vraiment peur des manèges, genre, notre chum, il pourrait faire ça. Ah, oh, ouais. Ali puis David, on va leur conseiller le dragon, aller le faire, vous allez l'aimer. Payer, payer 30$ pour venir faire le dragon. Ouais, c'est venir ça. Porter les sacoches. J'aurais aimé ça avoir une vidéo de ma face à chaque manège. Ah, oh, tellement. Genre dans le temps, là. Moi qui réalise qu'on est juste à la moitié du chemin. Ouais, puis le monsieur qui est comme, ouais, on est juste à moitié. Quoi? Le gars en plus il était tellement bâton, il tenait ses lunettes dans ses mains. Je comprends. À quel point il est pas stressé là? Il aurait tellement pu les échapper à n'importe quel moment. Fait qu'écoutez, c'est la fin du vlog. On vous aime, merci d'avoir écouté, laissez des thumbs up, abonnez-vous. Puis on va se revoir dans un autre vlog. Bye!